والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت علام الغيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, mon intervention sera qu'en langue française pour gagner beaucoup plus de temps. Donc, moi je vais traiter un thème sous le titre de saisir les opportunités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre messager sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré toutes choses avant de quitter ce bas monde. Et parmi les choses qu'il nous a montré, c'est comment saisir les opportunités. Et il a poussé les musulmans à saisir les opportunités qui s'offrent à eux durant leur vie. Bien sûr, quand on parle d'opportunités, on parle des opportunités qui sont licites et non pas les opportunités qui sont illicites. Même les chemins qui mènent vers les opportunités, il faut que ce soit des chemins licites et non pas illicites. Et il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, notre messager sallallahu alayhi wa sallam un jour revenait d'un voyage et il s'est arrêté chez un bédouin. Et ce bédouin-là l'a accueilli comme étant un invité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à lui en lui disant: je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu. Et le bédouin l'a accueilli comme il se doit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé le geste de ce bédouin et lui a dit: le jour où tu seras à Médine, rends-moi visite. Et un jour, le bédouin s'est rendu à Médine. Et il est parti rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien accueilli. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, j'aimerais que vous viviez avec cet instant-là. Vous vous mettez à la place de ce bédouin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose une question et lui dit: demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Mettez-vous à la place de ce bédouin. Qu'allez-vous demander à sa place? Le bédouin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au messager d'Allah: j'ai besoin d'une monture, d'un chameau et de quelques chèvres pour traire les chèvres et avoir du lait. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une monture et de quoi manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné vers les compagnons et leur a dit: êtes-vous incapable d'être comme la vieille dame des enfants d'Israël? Et là, les compagnons, ils n'ont pas compris. Ils ont dit: mais qui est cette vieille dame? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à raconter l'histoire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand Moussa alayhi wa sallam a quitté l'Égypte, quand elle est sortie avec les enfants d'Israël, ils se sont égarés en chemin. Et il a questionné les grands rabbins, les grands savants de cette communauté-là, des juifs, et ils lui ont dit: Youssouf, avant de quitter ce bas monde, nous lui avons donné notre parole comme quoi, si nous quittions cette terre, il faut qu'on prenne son corps avec nous. C'est lui qui nous a fait cette demande. Et les savants, les rabbins lui disent: peut-être que c'est à cause de cela qu'on s'est égaré. Et là, Moussa alayhi salam, il leur demande, il leur dit: savez-vous où est enterré Youssouf alayhi salam? Ils lui disent: non, personne ne sait sauf une vieille dame qui sait où est enterré Youssouf alayhi salam. Et Moussa alayhi salam est parti voir cette vieille dame. Il lui posa la question, il lui dit: sais-tu où est enterré Youssouf alayhi salam? Elle lui dit: oui, je sais. Et le Moussa alayhi salam lui dit: alors montre-moi où est-ce qu'il est enterré. Il lui dit: non, je ne te montre pas où est-ce qu'il est enterré. Je te montre son tombeau, que si tu me donnes ta parole, je veux un souhait. Il lui dit: que veux-tu? Et là, la dame, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit: je veux être avec toi au paradis. Et Moussa alayhi salam n'a pas aimé sa demande. Et Allah azza wa jalla lui a révélé, il lui a dit: donne-lui son souhait. Moussa alayhi salam lui a dit, et elle est restée ferme sur sa parole. Elle n'allait pas lui montrer le tombeau de Youssouf alayhi salam. Et quand Moussa alayhi salam lui a dit: ok, j'accepte le deal,
Tu seras avec moi au paradis. Maintenant, montre-moi où est enterré le Euphrates. » Elle le montrait. Ils ont déterré le Euphrates. Ils ont pris son corps et ils ont retrouvé le chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: êtes-vous incapable d'être comme la vieille dame des enfants d'Israël? Regardez l'opportunité qui s'est offerte à cette dame et regardez l'opportunité qui s'est offerte à ce monsieur-là, ce bédouin. Et regardez la demande des deux personnes. Il y en a un, le bédouin, qui a demandé les supplices de cette vie d'ici-bas. Et la vieille dame, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé le bédouin. Et c'est déjà arrivé à l'époque du professeur Sénat, il y avait un accompagnant à Tadbarin qui lui ramenait tout le temps de l'eau pour faire ses ablutions. Et le professeur Sénat lui a dit: demande-moi ce que tu veux. Et ce jeune, il était encore très jeune, ce compagnon, radiallahu anhu. Il lui a dit: je veux être avec toi au paradis. Donc, saisir les opportunités, c'est une chose dont l'islam a appelé la communauté. Il faut que l'être humain saisisse les opportunités qui s'offrent à lui dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interpellé les compagnons pour leur dire: êtes-vous incapable d'être comme cette dame, comme cette vieille dame? Elle aurait pu demander plein de choses. Elle aurait pu demander, dans une autre version du hadith, c'était une dame qui avait le dos bossu, qui avait du mal à marcher. Elle aurait pu demander la santé, elle aurait pu demander de l'argent, elle aurait pu demander une longue vie, elle aurait pu demander qu'elle redevienne plus jeune. Mais tout cela, ça ne l'a pas intéressée. Elle a eu cette opportunité et elle a su la prendre à sa juste valeur. Peut-être que cette opportunité ne se reproduira plus jamais. Ça ne se reproduira plus jamais. Allah Azza wa Jalla m'a mis cette opportunité devant moi. Il faut que je la saisisse. Il faut que je la prenne. Et c'est ce qu'elle a fait. Et regardez le bédouin. Le professeur Salim, il a invoqué Allah pour lui. Il a dit au compagnon: donnez-lui un chameau et donnez-lui des chèvres. Et il a eu. Par contre, le chameau est-il éternel? Les chèvres qu'il a eues sont-elles éternelles? Le chameau va-t-il le faire entrer au paradis? Les chèvres vont l'emmener à la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla? Non. Par contre, ce qui va l'emmener au paradis, s'il aurait été plus intelligent ce bédouin, il aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il lui a dit ce jeune compagnon: je veux être avec toi au paradis. Et la suite de ce hadith de ce jeune compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: d'accord, par contre, à une condition, il faut que tu m'aides. Il faut que tu te prosternes beaucoup. C'est-à-dire, il faut que tu pries beaucoup, tu fasses beaucoup d'actes d'adoration. Moi, je vais te promettre le paradis, mais il faut que tu m'aides. Il faut que tu fasses ta part, et moi, je vais faire ma part. Donc, ça, on revient aux opportunités. L'opportunité, il faut la provoquer. Tu ne vas pas rester chez toi, et tu auras une opportunité qui va descendre du ciel, ou bien qui va frapper à ta porte. C'est à toi d'aller vers cette opportunité. Parmi les opportunités que nous avons aujourd'hui, de nos jours, c'est que nous avons la chance, et surtout nos enfants et les jeunes, d'aller à l'école, d'accéder à l'école gratuitement, de pouvoir faire des grandes études gratuitement. Combien de jeunes dans d'autres pays ne peuvent pas accéder aux études gratuites? Ils sont obligés de payer. Des pays qui sont beaucoup plus développés que la France, chez eux les études c'est payant. Que ça soit l'école publique ou l'école privée, il faut que tu payes pour aller à l'école. Mais nous, on ne saisit pas cette opportunité-là. Parmi les opportunités qui s'ouvrent à nous, les musulmans, c'est que nous avons la chance d'avoir des mosquées. Demandez aux anciens si quand ils sont arrivés en France, ils avaient des mosquées. S'ils pouvaient prier dans les mosquées, s'ils pouvaient se rassembler comme maintenant on se rassemble dans la mosquée. Les premiers qui sont arrivés en France, s'ils avaient le droit à la mosquée, ils n'avaient pas de mosquée. Ils étaient obligés de prier chez lui. Et encore. Et aujourd'hui, nous, on a cette opportunité-là, mais on ne la saisit pas et on ne le fait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à aller vers les opportunités. Quand une opportunité s'ouvre à toi, il faut que tu la saisisses. Ce qui me choque, c'est quand j'entends des fois des musulmans dire: moi, ça fait 25 ans que je travaille dans telle boîte,
Mais il n'a pas évolué. Il est toujours dans le même niveau. Il n'est pas intelligent. Parce que le prophète sallam, il veut que nous, on saisisse les opportunités. Pendant 25 ans de travail, je pense qu'il a dû avoir au moins une fois l'opportunité de monter les échelons. Mais il a décidé de quoi ? De rester toujours le même. Et ça, ce n'est pas ce que la religion veut de nous. Ce que la religion veut de nous, c'est que nous, nous saisissons toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Que ce soit pour la vie mondaine ou pour la vie de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a tout le temps montré. Tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les opportunités, ce qu'il disait, c'est Abd al-Latif tout à l'heure, le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal. Un jour, un compagnon, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on invoque, on fait dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, on dit alhamdulillah, on dit astaghfirullah. Le prophète sallam, il lui a dit, quand tu dis subhanallah, Allah il te dit sadaqt. Quand tu dis alhamdulillah, Allah il te dit sadaqt. Et si tu dis tout de suite après, Allahumma rzuqni, oh Allah, donne-moi, Allah il te dit fa'alt, j'ai fait. Si tu dis Allahumma gfirli, Allah il te dit fa'alt, j'ai fait. Ça, c'est une opportunité. Qui va la saisir? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal, il dit le dernier tiers de la nuit, y a-t-il des personnes qui souhaitent se faire pardonner? Y a-t-il des personnes qui souhaitent accéder à ma miséricorde? Mais nous, on dort. Ça, c'est une opportunité. Qui la saisit? Aujourd'hui, vous, vous êtes ici à la mosquée. D'autres personnes ne sont pas à la mosquée. D'autres musulmans, ils savaient qu'il y avait aujourd'hui une assise, mais ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas saisi cette opportunité-là. Et il y en a parmi nous qui sont juste venus s'asseoir pour prendre la miséricorde d'Allah. Pour qu'Allah Azzawajal parle d'eux là-haut. Juste pour ça. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Mais il a saisi l'opportunité. Il a saisi le pardon d'Allah. Il a saisi sa miséricorde. Et d'autres, ils ne l'ont pas saisi. Pourquoi ? À cette heure-ci, ils sont chez eux. J'ai la flemme de sortir. Il fait froid. Je préfère me reposer. Et ça, c'est les opportunités. Et le prophète sallam, il nous a appelés vers les opportunités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de plein de choses. Il nous a demandé de faire des choses. Le prophète sallam, il dit, le fait juste de dire « La hawla wa la quwwata illa billah » il n'y a de force que par la force d'Allah azza wa jal et de changement que par Allah azza wa jal. Il dit, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. As-tu saisi l'opportunité d'évoquer Allah? Combien de fois tu as évoqué Allah aujourd'hui? Combien de fois tu as fait l'istighfar? Combien de fois? C'est une opportunité. Mais l'intelligence, c'est celui qui va prendre ces opportunités-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je finirai avec, il nous montre tout cela dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit « Irtanim khamsan qabla khams » Profite de cinq choses avant cinq choses. Vous savez, dans cette vie, c'est comme si on est dans un examen. On est en train de faire un examen. Mais la chance qu'on a, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné les réponses à toutes les questions de cet examen. Mais nous, on ne veut pas écrire les réponses. Les bonnes réponses, on ne veut pas les écrire. On les connaît, mais je ne veux pas ces réponses. Je veux d'autres, je vais faire des réponses à ma manière. Et le fait de faire des réponses à ta manière, ça peut t'emmener vers la colère d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallam, il te dit, profite de cinq choses avant cinq choses. Profite de ta vie avant ta mort. Un jour, tu vas mourir. Profite de ta vie. Profite de ta santé avant d'être malade. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu ne seras pas en bonne santé. Profite de ta richesse avant d'être pauvre. Bien sûr, quand il dit richesse, il ne parle pas de ceux qui ont des millions, des milliards. Tu peux avoir juste 100 euros, tu es riche. Profite de ces 100 euros-là pour donner ne serait-ce qu'un euro pour Allah, si tu as que ça. Il dit, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Tu es jeune. Aujourd'hui, tu peux faire des choses que demain, tu ne pourras pas faire. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner le mois du jeûne parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont le diabète, parce qu'ils ont plein de pathologies. Ils peuvent pas. Leur souhait le plus cher, c'est de jeûner. Mais il ne peut pas. Quand il était jeune, peut-être qu'il disait, c'est trop fatigant, Ramadan, c'est trop fatigant. J'ai trop faim et il travaille. Mais maintenant,
si tu lui dis de revenir en arrière, il va jeûner. Parce qu'il n'a pas profité. Et un jour, nous, on va arriver à ce stade. Nous aussi, un jour, on sera vieux. Nous aussi, un jour, on sera malade. Et on ne pourra pas jeûner. Aujourd'hui, tu as toutes les capacités. Mais tu ne fais pas. Professeur Sam, il t'a dit, tu seras questionné sur ça. Et voici les réponses que tu dois apporter. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On répond autre chose. Et ça, c'est le plus grand problème. C'est la catastrophe. Et on se prétend, nous, intelligents. Nous, on se prétend intelligents. Dis, nous, on est intelligents. Nous, on est le contraire d'intelligents. Quand tu as quelqu'un qui te donne des réponses pour un examen et que toi, tu réponds autre chose, tu n'es pas intelligent. Donc, voilà, comme on fait comme mes chers frères et sœurs, il faut saisir les occasions et les opportunités qui s'offrent à nous, que ce soit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ou que ce soit dans la vie mondaine. Tu peux être dans ton travail et une opportunité s'offre à toi. Tu peux avoir une autre place dans ton travail. Tu es un simple employé, tu peux être que tu deviendras responsable. Il faut saisir cette opportunité. Les musulmans ne doivent pas rester toujours en bas. Non, moi ça me suffit, alhamdulillah, moi ça c'est bien. Non. Il faut toujours que les musulmans ils soient hauts. Il faut toujours qu'ils mettent la barre haut. Il y a un proverbe qu'on donne ici en France, c'est quoi? Il dit, si tu veux arriver à la lune, il faut que tu vises les étoiles. Parce que les étoiles, elles sont plus loin que la lune. Vous avez compris? Tu veux arriver à la lune. Si tu vises la lune, tu ne vas pas arriver à la lune. Par contre, si tu vises les étoiles, tu vas arriver à la lune. Si tu ne mets pas la barre haute, toi tu es toujours, non, moi ça va, ça me suffit, non, moi je préfère pas travailler, je préfère profiter de ça, être là. Tu ne saisis pas les opportunités qu'Allah Azza wa Jal t'a données. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'a mis plein de choses sur ton chemin. Des bonnes opportunités que tu n'as pas saisies toi-même. Et peut-être même que tu fais partie des personnes qui disent Allah Azza wa Jal il a été injuste envers toi. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il est tout le contraire de l'injuste. Il n'y a pas plus juste qu'Allah Azza wa Jal. Je terminerai avec cette phrase. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Ne restez pas toujours en arrière. Et il faut saisir toutes les opportunités. Que ce soit pour la religion, que ce soit dans la religion de l'islam, dans vos adorations avec Allah, tu saisis l'opportunité. Le professeur Salam, il nous montre, il faisait des jeûnes surérogatoires. Est-ce que nous, on saisit cette opportunité? Est-ce que nous, on saisit l'opportunité de prier la nuit? Le professeur Salam, il nous l'a montré. Est-ce qu'on saisit l'opportunité de donner à ceux qui aux nécessiteux? Et tu saisis également les opportunités qui s'offrent à toi dans la vie mondaine, dans ce qui est licite, pas illicite. Ne dis pas, je vais faire ma vie, j'ai un plan, je vais faire ça et c'est de l'argent qui est haram pour arriver à une opportunité. Le chemin qui mène, il est illicite, alors ce que tu vas faire, c'est illicite. Si le chemin qui mène, il est licite, alors ce que tu vas faire, c'est licite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.